une grande fierté de pouvoir rentrer dans ce stade en tant que capitaine. C'est sûr que ça va être un très grand moment. On attend ça depuis de nombreuses années ici dans le club. De voir ce bijou sortir de terre et d'arriver dans quelques mois, ça sera quelque chose d'énorme pour la ville et pour le club. Mon stade à moi, il est connecté. Une multitude de services s'offrent à moi. Je peux commander une boisson. Je peux aussi acheter le maillot de mon joueur favori, accéder à des statistiques, revoir un but en replay, quand je veux, où je veux, sur une tablette, sur un smartphone, tout en continuant à partager l'émotion du match avec les supporters. En tant que banquier, je vais bien évidemment vous parler d'argent, ou plutôt de l'argent qu'on ne verra pas dans ce stade, puisque la grande particularité de cet ensemble qu'on pourrait qualifier de stade 3.0, c'est que l'ensemble des échanges seront dématérialisés. Pour le confort des supporters, pour le confort des consommateurs qui se promèneront, qui achèteront, qui bien évidemment iront regarder les matchs. C'est une installation extrêmement sophistiquée qui fait appel à toute la haute technologie, que ce soit des télécoms, que ce soit des technologies bancaires, et qui vous permettra de vous promener et d'être des spectateurs qui ne pourraient vous concentrer que sur une chose, c'est la qualité des spectacles que vous y verrez. Le cinéma, ça n'est pas seulement des films et des œuvres, c'est une vision du monde. Et plus largement, c'est une façon de vivre ensemble et de connaître ce qui ne nous ressemble pas. C'est ce que disait Louis Lumière. Et un stade d'aujourd'hui, c'est pas seulement des matchs. Ça doit être plus que ça, parce qu'on sort de chez soi, on va à la rencontre des autres, on est tous ensemble. Et j'ai l'impression que ce stade des Lumières sera une façon nouvelle d'aller voir des matchs. Sera aussi un instrument pour le social, pour l'urbain, pour le vivre ensemble. Et c'est ça qui m'apparaît aussi très important, en dehors de sa beauté et de la beauté des matchs que l'Olympique Lyonnais va nous offrir. Beaucoup de choses que je trouve formidables avec l'idée du stade. Il y a évidemment l'aspect social sur une région, que je trouve super importante, c'est-à-dire l'idée de créer des emplois pérennes. Je trouve qu'on est dans une époque où c'est super important qu'une région puisse mettre en branle du travail pour les gens. Dans mon stade à moi, je partage un moment d'exception avec mes clients, avec mes partenaires. L'émotion du match nous inspire et nous pousse à développer, à imaginer ensemble des idées et des projets. Le Grand Stade, c'est d'abord pour moi une infrastructure qui est sur ma commune, donc ça c'est important, la notion de territoire pour une PME qui est implantée ici. Et c'est aussi une notion de partage de valeurs du sport pour les équipes, pour nos clients, de les faire venir dans cet univers où finalement le collectif, la réussite ensemble sont des valeurs qu'on va partager dans cet espace et amener nos clients dans cet espace. C'est quelque chose d'important pour moi en tant que présidente d'une PME du territoire. Mon stade, c'est pas que mon stade, c'est aussi le parc olympique lyonnais, composé du centre d'entraînement, de l'académie de formation et puis aussi de l'équipe féminine. Voilà ce qu'est mon stade pour moi aujourd'hui. On aura entre guillemets notre stade là-bas, ça va être quelque chose aussi d'assez fort et aussi je dirais que c'est une évolution aussi pour nous, le football féminin lyonnais et aussi pour le football féminin français, parce que le fait d'avoir la place dans un stade qui sera magnifique et qui sera l'un des plus beaux dans le monde, pour nous c'est une marque de confiance de la part du club et aussi pour nous, pour l'avenir, c'est formidable. Jouer une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde dans notre stade, ça va être multiplié par 10. D'arriver à avoir un stade aujourd'hui à soi, c'est probablement la pérennité d'un club dans l'avenir et dans l'histoire. Je ne rêvais de ce grand stade. Je suis sûr que les attaquants comme Alexandre Lacazette et d'autres continueront à écrire l'histoire des grands buteurs de l'OL. Pour la première fois dans son histoire, l'Olympique Lyonnais est champion de France. En 2002, j'ai eu la chance de commenter à Gerland en direct sur Canal le premier titre de l'Olympique Lyonnais. Ça reste gravé là. Je me dis que j'aurai peut-être le privilège de commenter le 8e ou le 9e au Stade des Lumières. Et j'imagine déjà les mots qui pourraient accompagner un tel moment dans une telle enceinte. Et franchement, l'inspiration vient toute seule, croyez-moi. Ça, je trouve ça formidable. Mais voir des Coupes d'Europe dans ce stade-là, ça donne envie, quoi. De voir les matchs de championnat dans ce stade-là, ça donne envie.
Et je pense que si on veut donner un beau spectacle, un bon spectacle, et si on veut que les gens se déplacent, et, bah, il faut que maintenant voilà, les enceintes soient à la hauteur du spectacle proposé. Quand je pense au grand stade, je pense à être le premier buteur, être le premier à faire lever la foule pour cette première victoire dans ce grand stade.